Bonjour, bonjour, nouveau vlog, nous sommes mardi et c'est le jour où je vais faire mes injections, traitement pour la migraine. Il est 11h21, là je vais manger parce que c'est à Orléans. Et Orléans, il faut compter 40 minutes en voiture, mais je vais partir un petit peu plus tôt. S'il y a de la circulation, on sait jamais. J'apprends un petit peu, même si bah, je l'ai déjà fait une fois, il y a 3 mois et demi. Mais non, ça devrait le faire. Eric, il finissait 11h. Il faut que je change l'eau, vous entendez là. La fontaine de Jack. Alors, si vous avez vu mon dernier vlog, j'étais allée dans une parfumerie. Attendez 2 secondes. Ça me gratte dans la gorge. Et j'ai acheté le parfum Chloé, que j'ai senti, que j'ai trouvé très bien, à base de framboise, tout ça, il y a de la rose. Je l'ai appliqué parce qu'elle m'a donné, c'est là où elle a été très forte, elle m'a donné un échantillon de ce parfum pour que quand même je puisse un petit peu mieux le tester. Donc je l'ai fait hier, je l'ai refait ce matin. Je n'ai pas ouvert le flacon Chloé. Et bah écoutez, je me suis rendu compte qu'il était... Bon, après c'est le intense je crois. Il était un peu trop fort pour moi. Sur le moment j'ai beaucoup apprécié et sur le long terme, j'aime pas la fragrance. Enfin moi ça me convient pas, ça m'écœure à moitié donc... Je vais l'échanger, c'est pas grave, hein, m'avait dit. Et je pense que je vais rester sur la valeur sur Gucci, celui que je prends habituellement. J'avais pris le 30, là je vais prendre le plus grand. Et je sais que celui-ci, il est top, j'aime beaucoup. J'ai de très bons retours à chaque fois que je le porte. Donc pourquoi aller voir ailleurs? Je vous le demande. Ça va être vraiment rapidos, hein. Je vais me faire des carottes râpées là, avec le petit jus de citron et une purée brocoli. Je pense qu'au retour, ça dépend dans quel état je suis, il n'y a pas de raison. Je vais m'arrêter chez Feuillette. Prendre et un petit goûter pour deux et peut-être éventuellement un petit truc pour manger ce soir. Ah non, il n'y a rien pour Jackie là-bas. Hein. Chez Feuillette, il n'y a pas. J'ai rajouté un petit peu de persil dessus, voilà. Il est 13h, je suis arrivée un quart d'heure plus tôt. Bon, c'est bien, c'est pas plus mal. Mais alors là, j'ai une envie de pipi pour changer. Ah, je peux vous dire que ça fonctionne bien de boire autant de flotte par jour. Attends, la salle d'attente est super agréable, comme vous pouvez voir. Il est 14h, je viens de sortir, je suis encore dans la voiture. C'était cool, c'était cool. On a bien parlé en plus, donc j'ai eu la totale au niveau des points d'injection migraine, hein. Tout. Donc là, tout là, de chaque côté. Un peu plus là parce que moi... Parce que moi, les migraines sont beaucoup plus côté gauche, mais il faut quand même en mettre pour équilibrer. Les massétaires, parce que quand tu grinces des dents, ça peut aussi jouer. Au niveau des cervicales aussi. Enfin voilà, il y a vraiment plein de points pour bloquer justement toutes les terminaisons nerveuses. Ça fera effet d'ici quelques jours. Pendant 2-3 jours, bah, il faut que j'évite en tout cas de masser les zones, faire du sport, ce genre de trucs. Mais non, bah voilà, c'est fait quoi. Tout a été désinfecté, c'est pour ça que même sur les joues, partout, c'est pour ça que là j'ai plus de make-up au niveau en tout cas du visage. Et je suis contente, j'ai hâte de voir. Et là, je vais aller, comme je vous avais dit, chez Feuillette. Il n'y a pas grand monde. Je me suis pris mes fameux cannelés, je trouve que c'est les meilleurs chez eux. Bouteille d'eau. Et après, je prendrai d'autres choses au dernier moment pour éventuellement ce soir, comme je vous disais. Je vais prendre aussi une tarte fine que j'apporterai à ma maman, je sais qu'elle les aime beaucoup. Quand je vous dis que ces cannelés sont exceptionnels chez Feuillette, j'en ai pas vu, j'en ai pas encore testé d'aussi bon, vraiment. Je sais pas si c'était une bonne idée de me mettre là. À Verrières, il fait de chaleur. Mais bon, je trouvais le décor sympathique. Puis là-bas, il y avait du monde. Est-ce que ça, c'est normal? Le gars, mais en plus de fumer de partout, il pue! Non mais, s'il te plaît, fais quelque chose là. I'm back, mon Jackie. Ouais, oh, calme-toi. Mais ça va pas. Ah bah tiens, le voilà. Je vais lui donner, je lui ai pris ses petits gâteaux. Après, je vais chez ma maman. Ça, c'est la fameuse tarte fine que je vais aller donner à ma maman. Je lui ai pris également du chausson de pomme pour elle aussi, à l'ancienne. Tu me dis si ça te plaît. Bon, je crois que oui. Tiens, il a l'air très très bon celui-ci. Hein. Oh, il va finir dans ma bouche. Très très bon. Je nous ai pris des trucs pour ce soir. Oh. Des petits sandwichs, des trucs comme ça. Oh. Ouais. Bon, ça a été toi? Oui. Et toi, ça a été? Bah oui. Mais bah tant mieux. Allez, je file déposer tout ça. Ah bah. Ça te choque pas, toi? Pas du tout. Tu t'es régalé là, avec les tartes. Délicieux. Ah, j'avoue, c'est bon. La tarte. Attends, on est à contre-jour là. La tarte. Et un tout petit bout de chocolat.
C'est joli, là. T'as trouvé ça où? Tu m'as dit Brico? Brico Marché. Bah écoute, ça fait bien. Mais oui, c'est, ils font... Non, mais c'est tout bête. Ah oui, tu m'as dit toute la... bien sympa. Il va falloir que j'y aille. Oui, il faut faire un petit tour là-bas à Brico. L'abat-jour. Ah ouais, c'est nouveau. Je n'ai plus d'abat-jour. Ah, il est beau, hein. Et bon... Chez Brico aussi? Chez Brico. Ça fait très bien, je trouve, ça aussi. T'as du goût, maman? Heureux, nous sommes le lendemain. J'ai dormi mitigé. Non pas parce que j'ai eu mal, mais en fait j'avais peur de me mettre sur les côtés, que ça vienne, parce que c'est quand même tout là, que ça vienne bouger le produit, alors que bon, moi il m'a dit, hein, c'est juste pendant les 4 premières heures d'injection où tu te couches pas. Je sais pas, ça m'a un peu perturbée cette nuit, résultat j'étais un peu figée comme ça. Je bougeais plus. Et en termes de ressenti, alors tu sens qu'il se passe des choses, hein, qu'il y a de la tension, ça tend, ça fait pas mal, hein. Mais tu sens qu'il se passe des trucs, quoi, en fait. Là, dans le crâne, ça vient un petit peu serré, je sais pas. C'est particulier, mais tu sens qu'il y a un truc caché dans toi. Là, je m'apprête, il est 11h à partir à la parfumerie pour mon échange. Je vais dire au revoir au parfum Chloé. Et je vais souhaiter la bienvenue à Gucci, je pense. Je pense que ça va être ça. Peut-être je vais en sentir d'autres, mais si c'est pour que ça fasse la même chose sur le couche ou à emballer et après plus... Voilà, voilà. Bon, bah c'est bon, je pense que j'ai trouvé mon parfum. Et puis en plus, vous allez voir, c'était sous forme de coffret, quasiment pour le même prix, même moins. Donc je pense que tout va bien se goupiller. Bon, ça a pris plus de temps que prévu, il y a eu un quiproquo, mais tout est rentré dans l'ordre, je vous montrerai à la maison. Je passe chercher du pain. Il est déjà midi. Bonjour, petit loulou. C'est comme ça que t'accueilles ta mère? Eh bah, c'est beau. Deux belles baguettes. Alors par contre, non, tu vois. Pas possible du tout. Qu'est-ce qu'elle s'est pris, ta mère? Arrête! J'ai pas pu résister. Je sais, j'aurais pu les faire moi-même. Je sais. Mais elles sont pas mauvaises, leurs petites crêpes. Je me suis pris trois petites crêpes. Hein. Je nous ai pris trois petites crêpes. Voilà. De toute façon, j'ai pas de lait. J'avais pas de quoi faire les crêpes. Concernant... Attends, je vais retirer mes lunettes quand même. Ta mère, elle est pas polie. En fait, ouais, il y avait un quiproquo parce que... Bon, le parfum, Chloé... était à 119 ou 121 euros. Je l'ai échangé, mais dans tout ça, j'avais pris d'autres choses et j'avais bénéficié de 25%. Bref. Et bah, j'ai redonné... Il va être pénible. J'ai redonné donc le parfum. Je me suis dit, bah, je vais prendre le 50 Gucci, 50 ml Gucci. Et ah, il est relou, hein. Je commence à aller à la caisse. Et là, qu'est-ce que je vois? Ça. Donc, c'est un coffret. Gucci, 50 ml, donc exactement le même, à 107 euros, donc moins cher parce que celui que j'allais prendre était à 111 euros. Mais en plus d'avoir un très beau coffret que je vais garder, il y a le Gucci, comme je vous disais, 50 ml, mais il y a également un petit vapeau de sac à main qui est trop mignon. Ça aurait été dommage de passer à côté. On est d'accord, il est trop beau. Et après, à la caisse, il y a eu un petit micmac, ça a pris au moins une vingtaine de minutes pour qu'elle voit avec la caisse centrale, tout ça, tout ça. Et en fait, tout s'est remis. C'est les fameux 25% global qui ont un petit peu posé problème. Mais au final, tout est OK. C'est vraiment un parfum qui sent délicatement, qui n'est pas entêtant. Et je sais qu'il y a plusieurs Gucci. Il y a le bleu, il y a le vert, il y a le jaune. Mais alors celui-ci, c'est vraiment mon préféré. En même temps, si je l'ai pris. Et ça m'intrigue, hein, parce que c'est tellement beau. C'est très boudoir. Ouais, il y a bien du liquide dedans. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. Vraiment un bel objet, je trouve. Je range mes crêpes, ça va être insupportable. Tu vas aller dans un centre pour délinquants. T'es au courant de ça? Tu vas aller dans un centre? Hier, en fait, j'ai posté sur Insta un sondage. Un sondage, alors je sais que... C'est pour ça que je vous en parle là, parce que je sais que forcément, il y en a pas mal d'entre vous qui regardaient mes vlogs, mais qui n'ont pas Insta. Et en fait, ce sondage, c'est un petit peu le sondage de la rentrée. C'est pas une remise en question, mais comme je vous dis, je fais appel à l'intelligence collective, donc vous, pour un peu m'améliorer. Premier sondage, c'était qu'est-ce que vous regardez le plus, qu'est-ce que vous appréciez le plus en général sur YouTube. Ça, c'était une première chose. Donc là, j'ai eu pas mal de réponses. Beaucoup, justement, vlog, 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 haul, vlog, vlog. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui est ressorti. Et la deuxième question, je me trompe pas, voilà, c'était ça. Voilà, j'avais fait un petit post comme ça. C'était, et concernant mes vlogs, qu'aimez-vous le moins? Et je pense que le moins, vous n'avez pas vu. Et je mettais entre guillemets, ça va me permettre
de m'améliorer. Je pense qu'ils n'ont pas compris, ils ont dû comprendre le plus. En majorité, en fait, ce que j'ai eu, c'est peut-être des vlogs plus longs, parce que dans la majorité, vous aimez bien mon format de vlog. Mais moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est voilà, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse pour éventuellement m'améliorer? Mais j'ai pas eu trop de réponses. Alors, c'est plutôt cool. Je pense qu'on a tous besoin de s'améliorer, donc... Je vous permets en tout cas dans ces commentaires répondre éventuellement à ces deux questions, ce que vous préférez regarder en général sur YouTube, et concernant mes vlogs, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être que je change, je modifie, ou peut-être que je reste comme ça, voilà. Ça c'est vraiment, c'est important pour nous, je parle en notre nom, nous créateurs de contenu, plutôt que de naviguer comme ça à l'aveugle, et parce que c'est bien aussi parfois de se remettre en question et de se renouveler pour avancer. Sinon, bah, il est midi 10 et ce midi, et bah, je n'ai aucune idée de ce qu'on va manger. C'est des choses qui arrivent. Dans un premier temps, j'ai positionné la boîte ici. Ça rend mieux peut-être à l'œil nu. Et il faut pas non plus que ça fasse trop chargé, mais bon. Il est 15h, je vais voir si les flyers sont prêts. J'essaie d'avoir l'imprimeur, il répond pas, mais en général, je lui ai envoyé ça hier soir, donc ça devrait être bon. Et sinon, les aléas de l'entrepreneuriat, le côté stress, j'ai eu le nez fin. Hein. Je me dis, tiens, parce que je fais ça souvent, je vais appeler quand même les marques qui doivent m'envoyer des produits. Et notamment une marque, là je l'appelle, je dis bonjour, je voulais savoir si la commande était bien partie comme prévu, donc hier. Elle me dit, attends, je regarde. Et là, elle me dit, non, c'est prévu le 16, l'expédition. Ah, je lui dis, ça ne va pas être possible, ça. Pas du tout. Je lui dis, justement, moi, j'ai anticipé pour que tout parte hier ou aujourd'hui, de façon à ce que je reçoive, là, d'ici 48 heures, quoi, 24, 48 heures. Ah, donc, elle m'a dit, je vais regarder, je vais voir avec ce qui s'est passé avec le transporteur, le logisticien. Mais voilà, coup de stress, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas que si ça part le 16, ça veut dire que je reçois ça, genre le 18-19, sachant que mes box, je les expédie entre le 15 et le 20. Elle est censée me rappeler, là. Donc, je suis un petit peu en stress ou quoi. Bonjour. Bonjour. Super, merci. Vous m'envoyez la facture, oui, comme oui, d'hab. Yes. Je peux vous dire que le flyer est magnifique. Je l'ai vu, là, vite fait. Oh. J'ai déjà envie de le mettre en déco. J'allais rentrer à la maison et je suis passée devant une boutique où il y a liquidation écrit partout, total. Et je me suis rappelé que j'avais reçu le SMS ce matin en me disant Pantachoc, liquidation totale aujourd'hui. Je vais y aller vite fait. Il n'y a peut-être déjà plus rien d'intéressant, mais bon. Oui, elle est belle. Elle est vraiment jolie, mais bon, je la mettrai pas tout de suite. Il faut que je vous présente mon pote, j'espère qu'il est encore là. Ah non, mais moi je craque. En fait, ce mec-là, il vient à ma rencontre. C'est un chat qui habite genre dans une des maisons. Il fait sa live en plein centre-ville. À chaque fois que je vais en ville, bah, il vient me voir, son bonhomme. Salut, c'est mon pote. Comment je t'appelle? Norbert. Peut-être t'appeler Norbert. Bon, faut que j'aille travailler. On se voit plus tard. Ah oui, t'es content. Allez, ciao. Je t'assure, j'ai rien fait, mon Jackie. Ouais, donc en fait, chez Pantachop, il reste encore pas mal de choses. C'était vraiment le premier jour, elle me disait, de liquidation. Mais toutes les pièces qui potentiellement m'intéressaient, moi, je voulais bottes côtes, les jeans. Comme ça, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien du tout à part la robe et moi, comme je vous disais. Mais tu m'as vu ou quoi? Mon gueule. Mais non, la robe, ça aurait été en mai, juin peut-être. Mais là, en plus, j'avais la flemme d'essayer. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a encore un commerce de centre-ville qui ferme, quoi. Et ça, ça craint. Je ne sais pas chez vous, j'imagine que c'est partout pareil. Mais plus ça va, plus les petites boutiques de centre-ville. Forcément, elles se font bouffer par tout ce qui est en périphérie. Hein. Il fait pas bon ouvrir une boutique en ville. Non, mais ce flyer, celui-ci, il faut absolument l'encadrer. Il est splendide. Je ne le montrerai pas. Non, il faudrait être patiente. Petit update, nouveau, parce que l'on est sur du 24h, même 25h après injection. Et donc, oh, je pense que vous allez le voir. Vous voyez mon oreille? Elle me chauffe. Elle est rouge. Alors que l'autre ne l'est pas. Et je sens que ça bouillonne. Et là, dans la tête, ça fait des... Encore une fois,
c'est supportable. Là, je vous fais vraiment un suivi comme des névralgies très localisées. Parce qu'en fait, le produit se fixe, mais 3 jours, je crois, à se fixer. Et les résultats, enfin, c'est optimal au bout de 3 semaines. 2-3 semaines, voilà. Et donc là, on est dans ce process. Et effectivement, j'arrête ce vlog maintenant. Je monte. C'est ça, hein, d'être en flux tendu. Je monte, je fais le montage. Et je vous dis à vendredi pour la suite des aventures. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et pensez à répondre aux petites questions posées dans ce blog. Et à vous abonner, bien évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Bisous, ciao.